Salut à vous les gens, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes en compagnie de Brutality sur Eurofishing. Et ça y est, oui, ils ont fait une mise à jour. Bon, c'est un DLC. Donc ici, nous voyons que c'est tout simplement un milieu urbain, une superficie de 11 hectares, plus de 400 carpes. Ça fait du poiscaille. Gardon, brème, tanche, siluforme de qualité, 20 nouveaux poissons boss et 10 nouveaux succès. Alors on va voir ça ensemble parce que là, depuis le temps, atsekou! Nous y voilà en plein chargement. Donc, on voit qu'on a pas mal, qu'on a tout simplement pas mal d'endroits où aller. Du coup, où se mettre? Je pense qu'on va se mettre ici pour balancer des cannes un peu par là. Ah, il était temps. Il était temps, messire. Alors, hop. Oh, mon bateau. Donc on va poser toutes nos cannes là-bas. Puis écoutez, j'ai envie de vous dire, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'en fait sur cet endroit il doit y avoir peut-être trois postes, non? Peut-être un par là. Non, même pas. Donc voilà l'épuisette. Ça change. Il y a quelque chose quand même qui a changé au niveau peut-être du graphisme également. Hein. J'ai l'impression. Donc voilà, on va essayer de. Même le roadpod, il n'a pas changé, je sais pas. Bon, bref. Moi, il me tarde de sortir du bon poissonnet, messire. Donc là, c'est bien, je suis dans le sable. Hop. Le sable, alias le limon. Donc par contre sur la canne 2 je vais changer bien entendu. Je vais mettre hop celle-ci. Donc là bon je ne suis pas en multi, je veux tester vite fait en solo. Donc oui comme je vous disais, enfin je sais pas si je l'ai dit, c'est un DLC qui est pour l'instant à 8 euros, presque 9 euros. Mais bon, je suis désolé mais je pouvais pas m'empêcher quoi. Donc ça, si mes souvenirs sont bons, c'est flottant. Non, pourquoi j'ai pris l'hameçon de gravier, moi? Non, c'est bon. Ok, attends, j'arrive, Francis. Dégage-toi. C'est la une, hein? Oui. Allez, le premier poisson. Ah, t'sais, le voilà. Donc, comme dit, il y a des nouveaux boss, tout. Donc, en espérant que... Bon, en sachant que quand je dis des boss, il y a des boss gardons, il y a des boss petits poissons, il n'y a pas que... Que de la grosse taille. Apparemment, le plus gros poids c'est 19 kilos ici. Ah, ça fait plaisir de changer de coin. Ah, la canne numéro 2 se détend. Donc, pas de nouveau matériel. Bon, de toute façon, tout a été indiqué comme je vous ai montré au début. Et peut-être j'ai attrapé un beau poisson. Par contre, il y a un vent là. Allez, sors-moi ça de l'eau. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Carpe cuir. Bien, bien, je dis pas non. Alors, je voulais regarder si ici si, vraiment on pourrait mettre un emplacement, mais je ne pense pas. Hein. De toute façon, je vais essayer d'en faire deux ou trois. Celle-là, je vais essayer de la dropper. Bon, là, j'ai fait un lancer de merde. Ok, donc on appuie sur R, ça va plus vite. Mollo, mollo, mollo! Oui, j'arrive, j'arrive, Francis, t'es où? La 3. Excellent, du nouveau fiche. Voilà, par contre, tu peux monter le frein parce que. Oula! Ça pue le bug. Hein, ça pue le bug.
Bah non, il est mort le poisson. Oula, j'ai attrapé quoi? Mais il est énorme! Il est sérieux, il est venu mordre avec un hameçon numéro 4, lui? Je me disais bien que ça tirait pas des masses. Donc nous y voilà enfin. La nouvelle map est là. Après j'ai réessayé quelques postes. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'en face on a les herbiers, mais j'ai fait quelques lancers. Oui, oula, oula. Par contre, ça c'est pas un petit, ça. La 3, messieurs. Vu comment le sillon de la canne a bougé. C'est bon ça! Je vous jure, ça me fait trop plaisir. Enfin, faire une vidéo nouvelle. Nouvelle, je veux dire par là que voilà, il y a de la nouveauté. Parce que c'est vrai que je crois que j'en suis à 36 vidéos. Donc ça fait la 37e là avec celle-ci. Et sur les 36 autres, bon, il y avait quelques trucs nouveaux bien entendu. Mais la plupart étaient identiques. Ah, dès que j'ai vu ça, j'ai sauté dessus, j'étais fou. Oui, mais t'attendras parce que peut-être j'ai un poisson énorme là. Manquerait plus que je fasse le poisson 19 kilos, t'es. Alors attention, peut-être que 19 kilos c'est le poisson qui était sorti, mais est-ce que il y a plus gros, je ne sais pas. Regarde ça, il va monter sur le talus l'autre drujao d'en face là. T'es, je vais resserrer un peu le frein parce que sinon. Bon, la canne numéro 2, je pense déjà qu'elle est perdue. Peut-être qu'il a pas envie de venir l'autre. Attends un peu. Voilà, on va se mettre comme ça. C'est plus joli avec cette vue. Reste accroché, petit poisson, j'arrive. Bon, attends, je vais monter encore le frein. Je vois que je peux. Ouais, en fait, s'il faut, c'était pas énorme. Peut-être j'aurais dû. J'aurais dû manier un peu plus le frein. Hein. Oui, ben là, je vais casser. Non, c'est bon, reprise. Va pas sous le ponton, là, parce que je sais pas si c'est bugué. Non, non, on va pas faire le con là-dessous. C'est quoi, c'est tout petit? T'es sérieux, là? Ouais, c'est tout petit, ouais. Donc ça, apparemment, ça a l'air d'être ces nouveaux poissons. Le boots! Oui, bon, la 2 m'appelle, donc j'ai pas le temps de lancer celle-ci. Je suis là, poisson. Normalement, tu dois être fatigué depuis le temps. Tu dois venir de suite. Ah, c'est énorme, il était temps. Je vais pouvoir le farmer celui-là. Enfin, Dovetail, vous vous êtes réveillé. Donc là, le poisson tout à l'heure, je sais plus, c'est du 12 kilos, je crois. Regardez, c'est un combat de titan! Là, tu vas casser. Allez, sors-moi ça de l'eau! Ok, bon, ça c'est pas le poisson de l'année, hein, mais bon. Yali. La une s'est tendue, non? Non. Oula, ça part. Si, donc la une avait bien bougé. On va resserrer le frein un peu. Là, il y a pas mal de postes. Il y a même une grue, dis donc.
crains le bordel si ça passe sous le ponton là. Non, apparemment c'est bon. Attends, non, non, je veux rien casser du tout. Non, attends, il est foutu le poisson. Ouais, bon, celle-ci, elle est connue au bataillon, hein. Alors ici, on a également un coin plutôt intéressant, hein, sur la carte. Donc on a un poste juste devant moi. On a un poste au bout du ponton, ici. On a également un poste au bout de ce ponton. Ouais, enfin, presque tout le long, on a un poste, hein, si on regarde la carte. La carte, elle est où? La carte, elle est là-bas. Voilà, donc c'est ici, hein. Même au milieu, on a des postes. Donc, quand vous êtes à plusieurs, ce coin-là est pas mal. Alors moi, j'ai envie d'essayer... peut-être ici. Alors ça, par contre, je ne... Ah ouais, d'accord, non, laisse tomber. Ah ouais, c'est pas mal du tout, ça. Seul inconvénient, j'ai pas de tente pour pioncer. Bon. On va essayer d'en balancer une là-bas. Alors là, deux. Et c'est pas mal là-bas en face. Mais bon, avec ce mode de lancer, je sais pas si je vais arriver. Ouais, non. Oh, c'est pas bien grave. On va attraper la troisième. Vous lancerez bien entendu plus loin. Bon, là je vais à 51 mètres, mais plus loin avec le lancer qui vous aide. Mais moi, très sincèrement, je préfère celui-ci. Alors après, je vais essayer également en mode nuit. En mode nuit, tout simplement, pour voir si... toutes ces lumières là, si ça s'allume la nuit, voir un peu comment c'est foutu. Je pense que ça peut être sympa. Là, ce qu'on va faire, on va déjà attendre un départ. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de ma canne numéro 2, tout en haut, on voit un pont. Regardez, on voit une personne qui marche en plein milieu de l'écran et des voitures qui passent. Hop là, deux fourgons, vous voyez. T'es détendu, toi. En mode nuit, je pense qu'il doit être également super sympa. S'il y a des éoliennes et qu'elles ne tournent pas, c'est inutile. En même temps, on s'en fout. Ça y est, donc il fait nuit. Merde. Donc j'ai attendu un moment, hein. Donc, comme dit, les lumières sont allumées. Voilà. Donc, en fait, il fait nuit maintenant parce que j'avais faim. Donc, du coup, j'ai pris la voiture et j'ai été... Vous voyez, il y a un hôtel en face, là, au bout de mon sillon. J'étais dedans et j'ai bouffé un truc. Ouais, faudrait, si je pouvais faire... Donc, j'ai regardé. Donc, j'ai fait pour l'instant un poisson bois. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Et je viens de voir Eurofishing qui a partagé une annonce pour un patch. Donc bon, je le téléchargerai après la vidéo. Ah ben ça y est, il est en train de... Mais j'y suis dans les docks, Francis. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiasse? Mais là, dit ça, c'est de la prémasse. Tu donnes sa bouffe au sieur, je te garantis, il se régale le bestiau. Donc il y a un autre poste que je voulais aller voir là-bas. Alors à savoir qu'elle a pris quand même sur une Tiger Nuts 20 mm, hein, à la cochonne. Donc regardez, hop. Oui, oh ça va, 2 minutes.
J'ai l'impression que ouais, même au niveau texture, même si pour l'instant on reste à 30 fps, au niveau texture, il y a quelque chose de qui a changé. Tiens, déjà mets-toi comme ça. Quelque chose qui a changé, je parle pas en mal, au contraire. Qu'est-ce qu'elle fait avec la canne à pêche? Alors j'ai un poisson correct. Attends, monte le frein peut-être. Ouais, je pense que... Oh magnifique, je vous jure ça change, mais ça fait un bien. Ouais, je vous dis pas. Pour les fans de jeu, je vous garantis, vous allez kiffer sévère. Bon, pour l'instant c'est en promo à 8-9 euros, mais après, je crois que c'est 10 euros ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Bon, moi étant fan de jeu, de tous les jeux de pêche, de toute façon, même si c'est à 150 DLC, je prendrai les 150 DLC. Attends, fais pas le compresseur. Attends, si je te dis. Il est bien énervé ce poisson, hein, qu'il est énervé. Tiens pas, il fait du... Allez, dites-moi que c'est un boss. Non, ça m'a l'air commun, ça. Oui, ouf. Eh, je suis dégoûté, on peut même pas se baigner. Et oui, je voulais aussi dire, donc, on est d'accord là-dessus qu'il y a eu donc ce DLC, mais à savoir qu'il y a eu 1,1 Go aussi de mise à jour, bug fix, enfin tout, beaucoup de trucs au niveau du graphisme. CryEngine, je crois, a été. Mais je vais vous montrer ça à la fin, tout à la fin, les correctifs en fait qu'ils ont fait. Si vous n'avez pas le jeu, c'est pour ça que je préfère vous le montrer. Ceux qui ont le jeu, tout simplement, ben vous allez sur Steam et puis vous regardez la mise à jour qui a été à... ce qu'ils ont fait dessus, tout simplement. Oui, donc une petite marche comme ça dans la nuit. Donc là, cette fois, il est 21 h. Donc ici je crois que c'est un poste pour deux. Donc voilà, on le voit de toute façon les postes au trait qu'il y a au sol. Hein. Deux ou trois peut-être même. Ah non, deux. C'est vraiment dommage, ils auraient pu en mettre un ici. Enfin ma foi. On va se mettre à côté du néon. Salut, t'es au jus. Prochain coup peut-être. Oui, donc des fois ça... Non, c'est bon. Tac. Alors on va essayer de se faire du poisson ici. Donc la pêche au bouchon, pardon, doit être sympathique également. Mais vous inquiétez pas pour ça, je ferai ce qu'il faut. Parce que je vois qu'on a pas mal de nénuphars, tout ça. Donc ensuite, après 2-3 poissons, je vais remettre bien entendu la journée, tout simplement pour essayer le mode pluie. Voilà, c'est... Faut essayer. Bon, ok, il veut pas se lancer. Ah! La une! Oula, mollo. Il y a du sciure apparemment, hein. On a vu ça, c'est du form, donc pour l'instant, bah j'en ai pas eu. Bah, je pense que ça doit être des sciures. Bah, je sais que le poisson apparemment le plus gros fait 19 kg, donc je pense plus à une carpe. Et sciure, je pense qu'il doit tourner dans les 13-15 kg. Peut-être c'est sciure qui fait 19 kg, mais bon, ce serait étonnant quand même.
Attends, hop, voilà. On va profiter d'être en solo pour faire ça. Donc vraiment sympa, ça change. Réellement, ça change. Déjà, le fait que ce soit tout simplement urbain. Attends, le poisson il est bientôt fatigué là. Regarde là. Oui, il en peut plus là. J'ai beaucoup me demander sur la. Sur la vidéo DS36. Bah, sors-le de l'eau, attends pas qu'il neige d'origine. Oh, elle est belle. Oui, bah dépêche-toi, sinon tu vas louper le poisson. Tu pars bien loin, toi, je trouve. T'as quelque chose à te reprocher, toi. Je sais plus ce que je disais. Oui, à savoir quand est-ce qu'il y aurait une mise à jour, tout ça, sur le jeu, puis surtout nouvelle map. Et quoi, 2-3 jours après, ça y est, enfin. Du nouveau contenu. T'es au jus, je te tiens au jus. Ce serait bien de faire le poisson 19 kilos, ce serait sympa. Attends, 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 non, non, ça pue ça, ça pue. Ça aussi. Bah, il est mort le poisson de toute façon, allez hop. Tiens, c'est la petite sœur de l'autre. Vous savez, ça fait très longtemps que j'ai pas attrapé de poisson qui font ce poids là, dis donc. Ouh, c'est parti direct. Donc là, voilà, j'ai tout simplement essayé bah, le mode pluie, hein. Je teste tout. Alors là, je crois que j'ai attrapé un microbe. Ouais, ça a pas l'air énorme du tout. Donc on voit, il est 9h15 du matin. Oui, puis il va casser aussi, hein. Attends, non, 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 mollo. Ah, mais il est cassé, il est mort. Il est mort, le poisson. Il est pas mort, il est fatigué. Mélodie, mélodie, mélodie. Une tanche. Ouais, t'en es une belle de tanche, toi. mètres, ah bah c'est bien. Déjà, t'avais dit que 47 mètres c'était bien. Par contre, j'ai pas vu plus profond pour l'instant que 3 mètres, 3 mètres 2 ou 3 mètres 4, je sais plus. Mais quoi qu'il arrive, ça n'a pas dépassé les 4 mètres. Si mes souvenirs sont bons, là vous voyez, on est à 3 mètres, 3 mètres 10. À mon avis, c'est un peu partout comme ça ici. Donc si vous venez pêcher au bouchon. Essayez de mettre un truc comme 1 mètre. Ou 1 mètre 50 peut-être. Oui, donc là c'est pareil, ça doit pas être un poisson bien gros. Je voulais pas trop tirer sur le frein, mais bon là je pense que. Je pense qu'on n'a pas attrapé le poisson de l'année. Quand il s'approche du bord, vaut mieux. Oui, bah attends, il crève. Mais. Attends, attends, Francis. Laisse-moi sortir ça de l'eau. Bon, allez, tu vas t'en sortir ou pas là, déjà. Mais il a dit. In the pocket. Ok.
Bah, c'est une blague. Ouais, je peux pas tout faire. Bon, celui que j'ai au bout de la canne, je pense qu'il fait peut-être 12 kilos. Peut-être aussi que je dis une connerie. Bon, je crois sincèrement que pour la canne numéro 1, j'aurai jamais le temps de... Peut-être en jouant un peu avec le frein, mais bon, c'est pas... Oui, ben, je joue pas trop. Ouais, quand il arrive sur le bord, je vous conseille de vraiment le frein, voilà, le laisser se fatiguer, voilà, hop, c'est bon. Parce que, comme vous avez dû remarquer, deux, trois fois, j'ai failli te casser comme un gland. Voilà, la cantine, toi. Donc, j'étais pas loin, on était quasiment en 11 kilos, ce poisson. La une, je vais la louper. Bon, moi, je vais prendre... J'ai toujours pas contact avec. Si, ça y est, contact. Là, c'est pas plus gros de 10... Oula. Oula. Sois mignon, le poisson, viens ici. Regardez l'état de mon panier de pêche. Il est tout trempé, j'ai mon téléphone dedans. Oula. Ouais, quand vous arrivez vers le bord, essayez de descendre. Enfin, suivant le matériel que vous avez. Parce que regardez, ça peut monter assez vite dans le rouge, comme descendre super vite. Si je me mets à 30, comme tout à l'heure, je sais pas si ça va, si le poisson va aimer, regardez. Bon, encore celui-là, ça a l'air d'aller, mais... Ouais, je vais le laisser à 25. Voilà, il est fatigué. Voilà, bah écoutez, on va tout simplement se laisser donc sur ce gameplay-ci. C'est le 27, le 37, pardon. Donc on va se laisser là-dessus. Voilà, c'était surtout pour une présentation du lac qui est enfin là. Donc là, bah, ce que je vais faire, je vais essayer tout simplement faire gameplay en multijoueur hein, avec d'autres personnes également. Et je ferai aussi des pêches au bouchon, session seulement la nuit. Franchement, ils auraient pu taguer By Brutality sur le mur. Tiens. Y a pas un coin de poste là, non. Voilà, donc c'est ici que s'achève cette vidéo. En tout cas, merci de continuer à me suivre et me soutenir. Ça me fait super plaisir. Et bah écoutez, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt les gens. Et pensez à mettre un petit pouce bleu. Allez, ciao, ciao.